L'idéation est le cœur battant du processus créatif dans le design appréciatif. C'est le moment où Martha et son équipe libèrent leur imagination collective pour explorer un vaste champ de possibilités autour de l'opportunité identifiée. Cette phase se caractérise par une pensée divergente. Martha crée un environnement où le jugement critique est temporairement suspendu, permettant l'émergence d'idées audacieuses et non conventionnelles. Elle utilise des techniques comme le brainstorming pour stimuler la production d'idées, sachant que la qualité émergera de cette abondance. L'accent est mis sur la collaboration et la construction collective. Chaque idée peut servir de tremplin pour une autre, créant un effet d'émulation au sein du groupe. Martha encourage particulièrement les associations d'idées inattendues, qui peuvent mener à des innovations significatives. Dans un second temps, Martha guide le groupe vers une approche plus convergente. Ils évaluent, sélectionnent et combinent les meilleures idées pour construire un scénario prospectif cohérent. Ce scénario devient leur vision partagée d'un futur désirable pour la réserve de biosphère en tant que tiers-lieu climatique. Il faut qu'on tisse une toile entre tous ces éléments, un peu comme on fait en permaculture quand on construit la toile du vivant, et ça permet vraiment aux gens de comprendre que tout est lié, de comprendre la robustesse d'un écosystème grâce à cette toile. Je pense qu'on pourrait essayer d'appliquer ce principe à la forêt. On ferait une espèce de toile de la forêt. C'est dans cette phase que naît l'idée du jeu, la toile de la forêt. Ce concept innovant combine plusieurs idées pour créer une expérience interactive et éducative unique, parfaitement adaptée au contexte de la réserve et aux motivations des visiteurs. Cette approche d'idéation collective ne se contente pas de générer des idées, elle construit aussi une vision commune et un sens partagé de l'engagement pour l'action climatique parmi les participants.